Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous de la difficulté à correspondre aux attentes des autres? Au début du processus pour devenir pasteur avec l'Église unie du Canada, j'ai dû passer un test psychologique. Je me suis présenté dans une clinique, j'ai répondu à des questionnaires et les spécialistes sont revenus avec un air perplexe. Ils m'ont annoncé que j'avais un profil s'apparentant à celui d'un sociopathe. Mes réponses indiquaient que j'accorde vraiment très peu d'importance à ce que les autres pensent de moi. J'ai tenté d'expliquer que cela est dû en grande partie à l'éducation familiale que j'ai reçue. J'ai appris très rapidement de ne pas me soucier des perceptions et des jugements des autres. Je ne peux pas contrôler les réactions et les opinions des personnes. Donc, si les gens veulent parler dans mon dos, ils vont toujours trouver une raison pour le faire de toute façon. Alors, pourquoi perdre du temps avec ces considérations futiles de mon point de vue? Il faut croire que ma réponse a été suffisamment convaincante puisque je suis ici aujourd'hui. Ceci dit, je crois quand même que nous avons tous et toutes une partie en nous qui ne peut pas s'empêcher de juger ou de comparer avec les autres. Même si nous ne voulons pas entrer dans ce jeu, notre environnement nous y pousse constamment. Les bulletins scolaires, les échelles salariales, la grosseur des maisons, les destinations de nos vacances, etc. Comparer les gens à partir de critères purement arbitraires semble inscrit dans notre ADN. Un pasteur m'a déjà raconté qu'un paroissien s'était plaint parce qu'il ne plaçait pas ses mains sur la chair de la même façon que son prédécesseur. Ce genre de commentaire semble un peu ridicule à première vue, mais l'accumulation de ces petites remarques peut devenir usante à la longue pour des personnes qui ne sont pas des sociopathes, bien sûr. Non, nous nous demandons pourquoi les personnes ne semblent pas capables de nous voir et nous apprécier tels que nous sommes, au lieu de nous comparer avec une ribambelle d'individus qui ont plus ou moins rapport avec notre domaine d'activité, notre personnalité ou nos talents. Même Jésus n'a pas échappé à ce jeu des comparaisons et des perceptions populaires. Dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, il demande à la foule, « Mais quel est votre problème? Jean-Baptiste est venu, il était vêtu et il se comportait comme un prophète du Premier Testament. Il mangeait et ne buvait pas. Et vous avez dit qu'il était fou, qu'il était possédé par un démon. » Bon, moi, j'essaie d'une autre façon. Je tente d'être plus aimable et sociable. Je mange et je bois avec les gens à la marge de notre société et vous me traitez de glouton et d'ivrogne. Mais qu'est-ce que ça va vous prendre pour être content? Et la réaction des gens est d'autant plus difficile à comprendre que, sous des approches différentes, le message de Jean le Baptiste et de Jésus était essentiellement le même. Le temps est venu pour les êtres humains de réorienter leurs priorités. Tous et toutes peuvent changer. Un nouveau monde construit sur de nouvelles bases est possible. Cependant, les personnes semblaient incapables d'aller au-delà de leur jugement. Jésus aurait pu jouer de la flûte ou entamer des chants funèbres sur la place publique et personne n'aurait réagi, où il aurait trouvé quelque chose à critiquer. Je crois que nous pouvons comprendre très bien le sentiment de frustration perçu dans les mots de Jésus dans notre texte. Parce que nous savons tous et toutes que nous vivons dans une société où la religion n'est pas appréciée par la majorité,
Mais ce n'est pas grave, nous continuons nos missions, nous nous impliquons dans notre monde pour le transformer, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Cependant, plusieurs essaient quand même de nous comparer aux groupes religieux les plus extrémistes ou nous rappeler les pires aberrations de notre passé. Nous tentons de prêcher l'ouverture à l'autre, d'offrir des interprétations bibliques en lien avec les enjeux d'aujourd'hui ou de renouveler le format de nos offices religieux. Rien ne semble fonctionner. Certaines personnes sont constamment à la recherche de toutes les petites failles et toutes nos petites contradictions. Oh, un pasteur ne devrait jamais s'exprimer de cette façon. Oh, vous parlez de générosité, mais qu'attendez-vous pour nourrir et habiller tous les sans-abri de nos villes? C'est pas pour rien qu'il existe une perception chez les autres et aussi chez nous que les croyants doivent adopter des standards plus élevés, se conformer à certaines visions de piété et être meilleurs que les autres. Et parfois, nous avons l'impression que même Jésus n'arriverait pas à répondre à toutes ces exigences. Et même si nous étions parfaits en toutes choses, nous ne pouvons pas contrôler la perception et le jugement des autres. Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les personnes. Cependant, notre foi nous permet de croire que nous pouvons toujours trouver une forme de réconfort dans notre relation avec le Seigneur. Jésus offre à tous et à toutes la possibilité de nous reposer, non pas en nous offrant quelques heures de sommeil de plus, là, mais la possibilité de déposer notre fardeau, de déposer toutes les attentes et les obligations que nous traînons constamment sur nos épaules. Le joug qu'il offre est léger. Avec Jésus, nous n'avons pas besoin de prétendre quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de performer pour impressionner qui que ce soit. Tous les petits enjeux de comparaison deviennent dérisoires. Nos statuts sociaux, nos salaires, nos parcours de vie, toute autre catégorie arbitraire n'existe plus pour lui. Nous appartenons à aucune catégorie prédéterminée. Chacun et chacune est vu, est accepté et aimé tout simplement par Jésus sans aucune autre condition. Trop souvent, certaines personnes sont critiquées parce qu'elles ne correspondent pas à un certain standard ou des comportements acceptés par notre société. Dans les évangiles, les gens ont critiqué Jean-Baptiste parce qu'il ne mangeait et ne buvait pas et ont accusé Jésus d'être un glouton et d'être un ivrogne parce qu'il frayait avec de mauvais gens. Je crois que nous sommes appelés à nous extirper de tous ces petits jeux de comparaison et d'arrêter de nous soucier du regard d'autrui afin de pleinement découvrir la puissance du message du Seigneur afin de pouvoir nous reposer en sa présence. Merci d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, appuyez financièrement notre communauté de foi. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye bye.